Jour 10, kilomètre 174, l'épreuve. Et puis là, Hugo, toi t'arrives, froid, t'arrives pas à m'expliquer ce qui se passe, et je sens qu'il y a un problème, et tu me dis daron, siphon, problème. Il s'est passé quoi, putain ? Cette section est redoutable. Allez, go, allez ! 13h40, il fait nuit à 18h et on est en pleine gorge, on peut pas bivouaquer, donc faut qu'on se bouge. Moi, au bout du 12-13e jour, là, je commence à me dire, on va jamais en sortir de ce truc. Si l'enfer devait ressembler au paradis, ce serait ici. C'est fascinant. La rivière nous aspire. Je me souviens pas vraiment de ce qu'on est venu chercher ici. Mais je me souviens de ce qu'on racontait aux gens avant notre départ. Et ben nous on va descendre la Pourimac, la source la plus lointaine de l'Amazon pendant 17 jours en autonomie. Traverser toute la cordillère des Andes pour atteindre la jungle, la forêt amazonienne en passant par une cité inca abandonnée. Bon, tout est plus ou moins vrai dans cette histoire. Mais tout ça n'est qu'un prétexte. J'ai l'air péruvien là ou quoi? Ouais, assez. C'est de la chemise surtout. La chemise, la camisette.